Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Handyman Corporation. Alors c'est un jeu dans lequel vous allez devoir gérer votre entreprise de bricolage, qui a des clients qui vont vous appeler, vous allez devoir valider des contrats, comme par exemple remplacer des pièces d'électroménager, remplacer des pièces électroniques et toutes ces choses qui font partie du domaine du bricolage, hein, tout simplement. Pour ceux qui sont intéressés, le jeu sera disponible sur Steam à partir du 25 janvier, et nous on est parti pour la découverte. Ok les amis, donc comme à notre habitude, le petit tutoriel qui va bien. Donc on peut voir au niveau de l'interface, on a 100$ pour le moment, juste en haut, on a le contrat 0, on n'a pas d'argent de contrat forcément. On a la date et l'heure, on a notre petite femme qui est ici, parce que là c'est notre maison, hein, comme vous l'aurez compris. Donc tous les jours elle vous dit une petite phrase rigolote, qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui? Alors envoyez-moi votre position pour que je puisse vous kidnapper. Ok, ben, je suis en face de toi, si tu veux kidnappe-moi. Donc voilà, on doit trouver l'ordinateur, ben, il est juste ici. On va accepter un contrat. Donc ici c'est navigateur de contrat, forcément. Alors on a détail du contrat, donc les exigences du client, les préférences et le budget, ok. La satisfaction du client augmente en remplissant les conditions requises tout en respectant le budget, ouais forcément, donc voilà. Donc chez la personne là, on doit remplacer ou réparer son frigo, pareil pour son tapis, remplacer une chaise, peindre la cuisine, utiliser uniquement la marque BIOS et il veut de la couleur rose, ok. Et il nous paye 2100$ pour le... pour le contrat, donc on est parti. Alors félicitations, vous avez accepté votre premier contrat, ok. Alors les détails de contrat, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors contraintes de temps, maintenant que vous avez un contrat, vous devez connaître les contraintes de temps. Les contraintes de temps sont des délais et vous devez terminer votre travail dans ces délais, sinon il y aura des conséquences. Donc forcément, des bonus de pénalité. Bonus et pénalité, hein, comme vous l'aurez compris. Alors on va remettre juste la petite touche d'info sur le côté en appuyant sur tab. Voilà, donc je sais ce qu'il faut faire. Hein. Donc remplacer poubelle, remplacer frigo, tout ça. On est parti. Donc on a juste ici le frigo qui est endommagé apparemment, ok. Donc là on va avoir des mini-jeux, il va nous falloir des outils pour les compléter, on verra ça ensemble. Donc les outils, hein, comme je vous le disais, on a le petit wiki, donc on va ouvrir le menu circulaire en appuyant sur Q. Alors on a la boîte à outils, le wiki, les avantages, votre personnage peut débloquer des compétences, hein, forcément. Le rouleau de peinture et l'inventaire, donc je vais aller dans wiki. Alors c'est ici qu'ils vont vous dire comment réparer tous les objets que vous voyez là. Par exemple là actuellement on a le frigo qui est endommagé. Donc il me faut un tournevis et une vis. S'il était complètement détruit, il m'aurait fallu donc beaucoup plus de matériel. Et c'est pareil avec tout, par exemple le micro-ondes, s'il est détruit, il me faut toutes ces choses. S'il est endommagé, pareil. Donc vous avez compris le système. Donc nous on est sur un frigo endommagé, donc il faut un tournevis et une vis. Pas de problème, donc j'ouvre mon téléphone en appuyant sur la touche F. Je vais dans le petit shop. J'achète donc un tournevis, ok, et des vis, juste ici. C'est parti. Donc là, il nous dit que ça va arriver devant la porte. Comme vous pouvez le voir, on a un petit timer de 5 secondes. Et ensuite, j'ai la marchandise qui va arriver. Voilà, ça vient d'arriver. Donc ça arrive directement chez le client. C'est plutôt sympa, on s'embête pas. Voilà, on récupère tout ça. Ok. Donc tout s'est mis dans ma boîte à outils, ma petite caisse à outils qu'on va voir ensemble. Donc là, je vais devoir... sortir ma caisse à outils. Voilà. On va la poser ici. Il faut qu'elle soit toujours près de l'élément que vous voulez réparer. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, on va tenter de réparer. On va avoir un mini-jeu. C'est parti. J'ai que 6 secondes. Donc il va falloir être très rapide. Voilà, c'est quasiment... ouais, c'est impossible. C'est impossible. Réparation échouée. Donc c'est fait exprès pour le tutoriel forcément. Donc du coup, il me dit que j'ai complètement détruit le frigo. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'on va le remplacer même si je perds de l'argent. Je peux pas. Non, je pense que je suis obligé de... ouais, je suis obligé de tenter de réparer. Bah écoute, si tu veux, je vais acheter tout ce qu'il faut pour le frigo. Donc c'est la priorité au frigo apparemment. Donc je n'ai pas le choix, on va faire ça. Coupe-fil. Bah je prends tout ce qu'ils veulent de toute façon. Vous voyez, ça va être pour le tapis. Donc pas de problème, je prends tout ce qu'ils veulent. Ok. Est-ce qu'on a tout ? Parce que j'ai pas tout vu pour les frigos du coup, alors attendez. Je repars. Oui, je sais que ça a été livré à l'instant. Le frigo détruit, condensateur coupe. Oui, apparemment j'ai tout, c'est parfait. Donc on va retenter, j'enlève juste ma caisse, de réparer le frigo, parce qu'apparemment je suis obligé. Parfait. Tenter de réparer. Ok. Donc là par contre, maintenant vous voyez qu'on a 59 minutes pour réparer, donc pas de problème. Donc là c'est une grosse réparation. Hop. C'est très facile, hein. Vous voyez que c'est juste sous forme de mini-jeu, quoi, donc pas de problème. Là, on va devoir maintenir avec la souris et dévisser.
Ok, ça me fait penser un petit peu au système de House Flipper quand on installe des radiateurs et ces choses-là. C'était aussi que du clic, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt sympa. Ok, je vais devoir enlever, voilà, la façade. On remplace le condensateur. C'est parti. On va devoir revisser tout ça. La petite dernière. Parfait. On place le domino. Donc c'est vraiment un vrai bricoleur, hein, comme vous pouvez le voir, une fois. Et deux fois. On visse le domino. Impec. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Ben c'est parfait. Réparation réussie, génial. Le réfrigérateur est maintenant en bon état. Le client sera moyennement satisfait. Pour qu'il soit extrêmement satisfait, un réfrigérateur parfait est recommandé. Bon, il voulait dire neuf, quoi, vous l'aurez compris. Ce qui nécessite l'achat d'un nouveau, voilà, réfrigérateur. Ok. Ensuite, préférence. Les préférences se trouvent dans la liste de tâches, ça on l'a vu aussi. Et pour la peinture, on va devoir acheter une peinture donc rose. Alors hop, on va fermer ça. Maintenant, il va falloir remplacer la poubelle. Donc je vais pas m'embêter, hein. On va la prendre. Ah, je peux pas encore. D'accord. trouver l'ordinateur portable. Donc je vais chez le client, je m'embête pas. Voilà, on va sur le shop. Navigateur de la boutique. Bienvenue dans le navigateur de la boutique. Ici, vous pouvez acheter des articles pour vos clients. Une fois que vous avez acheté un article, attendez qu'il soit livré. D'accord. Donc là, par exemple, je vais acheter de la peinture rose pour la cuisine. Parfait. Ensuite, il nous fallait quoi encore? Une poubelle. Donc je vais dans la cuisine, j'achète une poubelle. Ça, c'est parfait aussi. Voilà. Donc on a déjà du matériel qui est arrivé. L'autre, il faut encore 15 petites secondes. Donc là, j'ai récupéré quoi? La peinture murale. Ah oui, il faut que j'achète encore un... Attendez, il faut que j'achète encore un rouleau. Donc je vais aller dans Outils. Et je vais juste m'acheter un rouleau pour peindre, ça sera beaucoup mieux. Juste là. Parfait. Ok. Ça a été livré à la porte. C'est impeccable. Donc là, j'ai récupéré mon rouleau et j'ai récupéré la poubelle. Donc je vais juste remettre la barre d'étage juste à côté. Donc je peux la remplacer, oui. Donc je peux pas encore le faire. Je pense que c'est vraiment d'abord, il veut qu'on fasse... Oui, d'abord la cuisine, donc pas de problème. Accédez à votre inventaire en utilisant le menu circulaire, hein, inventaire, peinture rose. On va placer la peinture juste ici. Voilà, prêt à peindre, équipez-vous du rouleau forcément. Ok. Et là, on va peindre. Donc vous voyez que là, on a des touches entre A et D. Et juste en bas, complètement à gauche, vous avez les murs qui ne sont pas peints pour l'instant. Donc il va falloir que je remplisse ici mon rouleau de rose. Et en une fois, voilà, je clique. Et je peins très rapidement. Ça valide. Ok, génial, vous êtes maintenant prêt à remplir les bonnes conditions. Donc maintenant, j'appuie sur D pour passer au mur suivant. Alors, je trouve que la peinture, ça me déçoit un petit peu que ça soit uniquement des petits laits à peindre. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça reste des mini-jeux bien marrants quand même. Donc, voilà. Donc, je vais devoir faire toute la cuisine comme ça. Je vais vous épargner ça. Je vais le faire de mon côté. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh ben, le mur, il est peint. Comme vous pouvez le voir, hein, magnifique. Donc je vais faire pareil pour le reste et je vous reprends juste une fois qu'on a terminé pour éventuellement réparer le tapis et tout. Alors je me mets complètement tout au bout du mur. Comme ça, je suis sûr de ce que je fais. Voilà. Alors je termine tout ça et je vous reprends juste après, les amis. Donc c'est les deux derniers. Alors j'espère que je vais avoir assez de peinture. Parce que mon seau est complètement vide, je peux plus remplir. Ok. Va falloir que j'achète à nouveau. Oh la poisse pour un seul petit morceau de mur. Va falloir que je rachète un seau. Vous devez d'abord retirer le rouleau avant d'accéder au téléphone, c'est ça? Oui. Ok. Voilà, là j'ai vraiment la poisse. J'ai clairement la poisse. Alors attendez, je vais repartir. Non, c'est pas ici, c'est en mode cuisine. Donc sur l'ordinateur. Shop, cuisine. Non, pas du tout. Shop, peinture. Rose. Ah, oh, ça c'est de l'argent inutile. Inutile cet argent, les amis. Quand on termine juste ensemble le mur de la cuisine, on va lui remplacer sa petite poubelle. Vide, mettre de l'inventaire, vendre. Ok, ben il vaut plus rien comme il est vide. Ok, donc inventaire. Je récupère mon petit seau comme tout à l'heure. Je le place. Je prends mon petit rouleau. Et on est reparti pour le. Regardez-moi ça. Donc vous avez vu qu'il y a une barre à côté. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez remarqué. Plus je remplis, plus mon seau se vide forcément. Et voilà, c'est validé. Peinture de la cuisine a été acceptée. C'est parfait. Donc maintenant, il me reste quoi? Donc il fallait qu'on répare encore le micro-ondes. Remplacer la poubelle, je vais le faire tout de suite. Est-ce que je peux ou pas? Oui, je peux vendre. Et replacer la nouvelle. Ça, c'est également fait aussi. Et reste le tapis
et le micro-ondes. Alors, vous vous débrouillez bien, continuez comme ça. Vous avez vu, je viens d'avoir un petit message du client, c'est parfait, il est content. Donc, est-ce que je peux tenter de réparer? Oui. Vous avez placé la boîte à outils? Ah oui. J'ai pas placé la boîte, alors attendez. On va vendre ça. Voilà, je récupère un petit peu d'argent. Alors, c'est un jeu vraiment cool, hein. Franchement, c'est vraiment très cool, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire comme d'habitude. Alors, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, oui, non, j'ai déjà regardé, je sais comment que ça fonctionne. Encore une fois, j'ai 1 heure pour réparer, donc. Voilà, on a le temps, j'ai envie de dire. Donc, on va juste enlever les vis sur le côté. Voilà. Il y en a combien? 4? Oui. 4 petites vis. Petite dernière. Parfait. Et maintenant, on va devoir reconnecter, enfin, couper les câbles. Une fois. Et deux fois. Parfait. Donc, je pense que ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, les amis. Mais bon, voilà. Ah là, il faut nettoyer. Oh, sympa. Je peux tourner la pièce ou... Alors, comment que je tourne la pièce? Je peux pas tourner la pièce, sérieux? Ah si, voilà. Avec le clic de la souris. Je n'ai rien dit. Ah, il était vraiment sale, hein. Regardez-moi ça. Oh là là. Encore 1%. Parfait. Alors, click on antenna to repair fix. Hein? Ah. Oula, faut cliquer d'accord. Ok. Original. Voilà. Maintenant, on va reconnecter. Ok. Replacer la façade. Oh, c'était rapide ça quand même. Fallait juste nettoyer les petits condensateurs ou je ne sais pas trop ce que c'était. Une fois. Donc, on peut laisser avec le clic de la souris enfoncé pour aller 2 fois plus vite. C'est parfait. Voilà. Je vais les réparer aussi. Donc il nous reste uniquement le tapis. Alors on va voir si on peut le réparer parce que je l'ai jamais fait. En partie du tutoriel, je l'ai remplacé. Donc autant essayer de le réparer. Tentez. Ah oui, la caisse à outils, j'oublie à chaque fois. On va la mettre juste là. S'il veut bien. Parfait. Tentez de réparer. Ah, ça, faut que j'arrête. Hein. Ne plus m'afficher. Ok. Comment que ça fonctionne? Qu'est-ce que je dois faire? Ah! D'accord. Ah oui, on fait de la couture. Ah, oh, c'est bien fait. C'est fun, ça. Ok. Et maintenant, petit coup de fer à repasser. D'accord. C'est vraiment classe, hein, honnêtement. Bon, il n'est pas très beau. Le tapis, il est juste bon. Mais bon. Ok, alors réparer ou remplacer le tapis. Apparemment, il n'était pas... Ouais, il faut encore... Encore une fois, passer dessus pour... Voilà. On va un petit peu le nettoyer. Alors honnêtement, des mécaniques vraiment très sympas dans ce jeu. Moi qui aime bien bricoler dans la vraie vie, je trouve mon bonheur avec ce type de jeu. Ça change un petit peu. Voilà, le tapis est parfait. Et remplacer les chaises, donc on va pas s'embêter, elles sont détruites, donc on va les vendre. On va tout simplement acheter des neuves. Donc shop, on va dans salle à manger, chaise. Marque IK. Alors attendez. Salle de vie. Non. Ah bah j'ai pas le choix en fait. C'est pas la marque vraiment BIOS comme il voulait du coup. Alors salle à manger, salle de bain, non, bah j'ai pas le choix. C'est marque Stepet et IK, ok. On peut configurer. Ah oh, j'ai pas fait gaffe à ça. Ah oui, donc on peut. D'accord. On peut peindre la chaise et tout, c'est vachement stylé ça. Alors les pieds, c'est pareil apparemment. Oui, en mat en brillant. D'accord. Ok, basse couleur. Ah oui, d'accord, on peut choisir même la couleur. Alors moi je vais commander 4 chaises dans le ton là, ça a l'air parfait. Ok. Donc juste 15 petites secondes le temps qu'elles arrivent. Alors je vais juste enlever ma boîte à outils. Comme ça on aura fait quand même le tutoriel, on va peut-être quand même faire encore une petite mission ensemble. Je regarde juste le temps combien de temps on est sur cette vidéo et puis pourquoi pas faire encore un petit truc ensemble. Hein. Ok, le matos est arrivé. Oh là, oh là, doucement. On reçoit toutes les chaises en même temps. Et là, il suffit donc de les placer. Voilà. Bon, du coup, je les trouve un petit peu foncés. J'ai un petit peu abusé. Je sais pas s'il va être content le client. C'est pas du tout les mêmes qu'il avait. Hein. Clairement pas, mais bon. Ce n'est pas grave. Ok. Tout est validé. Alors, bon travail. Vous avez rempli toutes les conditions requises. Vous pouvez maintenant aller à l'ordinateur portable ou la porte d'entrée pour terminer le contrat. On va aller à la porte d'entrée comme les vrais. Au revoir, monsieur, et bonne journée. À bientôt. Oui, je termine. Ah, il était pas très content à cause de préférences non satisfaites. D'accord. Ouais, mais je sais pas que la marque de chaise, j'ai dû me tromper quand même. Oui, la marque BIOS. D'accord. Bon, c'est pas grave. On a quand même pris. Je
sais pas quoi qu'on a pris en tout, 2066, voilà. Donc on a dépensé du contrat 265. Bon, ça va, franchement, ça va, on est bien. Maintenant que vous avez terminé votre premier contrat et gagné de l'argent, c'est génial, vous pouvez personnaliser votre appartement si vous voulez. Il suffit de sélectionner les meubles, d'accord. Fin du tutoriel, donc voilà, ça c'est parfait, on va voir si on peut faire encore une petite mission ensemble. Le bon sens est comme un déodorant, les personnes qui en ont le plus besoin ne semblent jamais l'utiliser. Tu m'as effrayé, bien joué chérie, bien joué. Donc là on a, ouais ben, porte détruite chez nous aussi, on a quelques objets à changer. Hein. L'île est parfait. Alors le frigo, ouais ben, il est détruit. D'accord, je sais pas si c'est un réel impact hein, chez nous, parce que de toute façon le personnage il se nourrit pas ni quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment juste pour l'esthétique et peut-être améliorer, enfin rajouter un petit peu de gameplay. Donc on va juste prendre un petit contrat vite fait les amis. Donc attendez, je vais voir si j'ai débloqué un point de compétence. Alors, avantage. Non, j'ai 0 points. Ça appelle maintenant que ça commence réellement vu que c'était juste le tutoriel. Donc un petit contrat à réparer ou remplacer en poule. Alors venez, on va faire une télévision, regardez. Juste pour terminer cette vidéo, donc réparer ou remplacer une télé, pourquoi pas, on est parti, 250$, allez. Bonjour madame, c'est le concierge là pour la télé. Ah bah oui, elle est là, c'est joli ici. Alors, est-ce que j'avais de l'outillage sur moi? Qu'est-ce que j'avais dans ma boîte à outils? Il me restait pas grand chose, donc la télé, elle est endommagée. On va voir ce qu'il faut pour la réparer. Donc télévision, télévision, TV. TV endommagée, il me faut un écran TV et du tissu. Ok, on va acheter ça. Alors, du tissu et un écran télé. Hein. Donc, on a même aussi un tournevis électrique. Ok. Et voilà, tout en bas, c'est parfait. Et là, du coup, par contre, c'est un petit peu plus long. Vous voyez que la commande, elle dure quand même maintenant 45 secondes pour qu'elle arrive. Alors qu'avant, on les avait en 10 secondes dans le tutoriel. En même temps, c'est voulu. Alors là, c'est où là? Oula, non, 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 ça, c'est pour partir, d'accord. On va pas fouiller chez la cliente, hein, quand même pas. Hein. Ah, le bordel. Ah, c'est honteux, ça. C'est honteux. Ok. La marchandise est arrivée. On va réparer sa télé à la petite demoiselle. On peut aussi la vendre. Non, non, je vais tenter de la réparer. Alors, comment que ça fonctionne? Ah, on enlève les petits clips. Ok. Donc ça, je découvre avec vous. Je n'ai jamais fait le téléviseur. Donc, voilà. Découverte pour moi aussi. Ok. Encore une fois, je me répète, mais j'espère que ça va pas être trop répétitif par la suite. Parce qu'au début, c'est joli. Au début, vous voyez ce que je veux dire, c'est bien beau. Mais après, j'ai peur qu'on va devoir faire tout le temps la même chose. Et puis, ça va vite être très redondant. Alors, je replace le câblage. Ok. Oh bah voilà, il y avait vraiment juste ça à faire. Remettre ça à l'éclipse. Bah ok, pourquoi pas. Allez. Les quatre petits... Le petit dernier. Parfait. Ah voilà, j'allais dire, faut quand même... Ah, on doit nettoyer, regardez. Ah, c'est sympa ça aussi. Ils sont les 1%, voilà. Réparer, ben voilà, c'est magnifique. Alors, utiliser la marque Lowens, ben là, on n'a pas eu trop le choix. Du coup, c'est sa même télé, donc j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Alors, c'est parfait, j'ai gagné de l'argent, on est bien. Là, on est à 100%, vous avez fait un excellent travail. Je vous recommanderai à mes amis s'ils ont besoin de... Oh, j'ai pas dû la suite. Ben voilà. Donc elle, on l'a mis dans la poche, hein, si elle a des amis, ben on va faire des rénovations chez eux, des réparations. Donc j'ai gagné 278, c'est parfait. Ok, du coup ma femme a dit alors, à propos d'hier soir, trois petits points. Ah, ok, apparemment une qui était pas très contente hein, hier soir apparemment, ok. Donc voyez, mais je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai 2444$. Est-ce que j'ai un point de compétence? J'insiste là-dessus, mais j'en veux un. Oui, j'en ai un, donc qu'est-ce que je peux prendre? Alors, efficacité de la peinture, électricien expert, maître peintre... Tricoteuse experte ou bien grosse remise. Mais grosse remise. Ah, c'est 2000 par contre, non? C'est ça? Faut payer 2000 avec? Ah, aucune idée. Alors attendez, un point d'avantage si je clique. Un point d'avantage, 2000. Acheter article. Ah, on achète tout moins cher. Ok, formation en cours. Ah, d'accord, faut faire une petite formation. Ah, je viens de payer mes factures en même temps. 5 ans, 10 et internet. Vous avez maîtrisé l'avantage, grosse remise. Oui, par contre, vous avez vu que ça m'a coûté 2000$. Mais bon. J'ai été formé, maintenant j'ai des remises sur le matériel, alors c'est plutôt cool. Donc voilà, mais si vous voulez une suite, pourquoi pas, on pourrait encore faire 2-3 autres réparations si vous le souhaitez. Comme ça, moi je sauvegarde ma partie ici, et on dira que notre entreprise, elle a démarré, tout simplement. Donc n'oubliez pas encore une fois de m'exploser la barre de like, hein, pour
pour savoir si vous voulez une petite suite ou pas. Donc je me répète, le jeu sort le 25 et moi je remercie encore infiniment le développeur de m'avoir donné un accès en avant-première au jeu complet. Franchement, c'est vraiment très cool de sa part. Donc merci encore à lui s'il passe par ici. Bon les amis, donc moi je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et à plus. Allez, gros bisous, ciao.